Et c'est parti avec Jane Romero, la nouvelle survivante. Survivante qui d'ailleurs au passage... Ok, est-ce qu'on survit ? Survivante dont le taf est celui de présentatrice télé. Donc avec un style excellent, vraiment. Enfin, moi je trouve qu'elle est très très stylée. Elle a une classe incroyable de tous les personnages féminins de DBD. C'est mon préféré, vraiment. Vraiment super cool. J'ai hâte de voir de nouveaux skins dessus. Maintenant, au-delà de son background, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a trois compétences. Trois compétences sont les suivantes. Il y a une perk impliquant le partage de soins. Partage de soins, ça veut dire que si elle soigne quelqu'un, elle se soigne aussi également un peu. Elle a une deuxième compétence qui, à mon sens, est complètement useless et donc inutile. C'est celui de ne laisser aucune éraflure au moment où elle répare un moteur pendant quelques secondes. Ça, concrètement, vous allez réparer les moteurs lorsque le tueur n'est pas là. Alors, quel intérêt? Quel intérêt d'avoir... Et salut, je peux pas trop vous déranger. Oh, mais... Je veux savoir par où passer. Quel intérêt d'avoir cette compétence qui permet de ne laisser aucune éraflure alors que de base vous attendez justement qu'il n'y en ait que le tueur ne soit pas là pour réparer un moteur. Oh, c'est très useless. Enfin, la troisième compétence, et qui est ma préférée, c'est celle de stun le tueur quand vous sortez d'un casier qu'il est proche. Quand vous faites ça, en sortant d'un casier subitement alors que le tueur est proche, eh bien il est bloqué comme lors d'un DS, d'un Decisive Strike. Donc c'est très intéressant, et moi qui joue plutôt casier, j'aime bien ça. En plus vous pouvez aider vos collègues si par exemple ils sont poursuivis et que vous êtes à côté dans un casier, eh bien c'est très intéressant. Salut, ça va? Le petit bruit que vous entendez là, c'est quand la nouvelle tueuse vous vomit dessus, c'est son pouvoir, hein, c'est la peste, la maladie, la grippe aviaire, eh bien... Quoi? Pas de bruit? Même pas un petit pataprout? On m'a volé mon pataprout sonore. Et quand elle vous vomit dessus du verre, eh bien vous tombez malade momentanément et jusqu'à potentiellement être blessé. Et quand vous êtes blessé, peut juste vous coucher au sol en un coup supplémentaire. Donc ça, il faut se méfier. Et pour vous soigner de cette maladie, il suffit d'aller dans l'une des fontaines que vous avez là et de vous y ressourcer. Quand vous le faites, non seulement il n'y a plus la maladie sur vous, mais vous êtes soigné, donc full. Par contre, les fontaines, elles, deviennent rouges et le tueur peut s'inspirer de ces fontaines pour développer une nouvelle capacité à son vomi avec laquelle elle peut blesser directement les gens. C'est assez violent, parce que son vomi devient rouge au lieu d'être vert, et on sait que la couleur rouge est extrêmement offensive. Ok, j'arrive. Oh, c'est tellement moche. Et c'est indiqué par un petit signal sonore, une petite corde de guitare. Hop là. Ce serait bien, c'est que tout le monde... Non, 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 ne me vomis pas dessus, c'est dégueulasse. Sachant que quand vous êtes bien malade, si vous passez... par-delà les obstacles, ou si par exemple vous réparez un moteur, vous transmettez cette maladie sur les objets. Ce qui est quand même assez balibalot. Et vous entendez le bruit de guitare, le jingle. Oupa. Tac. Je dirais pas que c'est facile là. Je dirais que j'ai eu la chance d'éviter le problème.
l'instant. Peut-être un tout petit peu s'éloigner. Voilà. Comme s'il n'y avait personne. Justement, il n'y a personne. Je ne suis pas là. Le petit symbole d'aveuglement indique que je ne vois plus personne. Et le petit petite perque en bas, ah, là, ce que vous entendez, c'est justement qu'elle peut utiliser sa série activée, sa capacité à lancer un vomito rouge, aussi appelé le Red Vomito. Vous avez vu en bas, elle a directement blessé quelqu'un. Avec son vomi. Tu ne viens pas ici, hein. Ah, elle doit être à la surface. Ce qui me permet concrètement de pouvoir... réparer avec une certaine sérénité, un esprit paisible. Ok. Ok. Oui, ça va. Go. Je crois qu'elle m'a vu. Ah, tellement moche, tellement moche, tellement moche. Ah, vous voyez, la planche, elle est moisie du bulbe. Moi, je suis moisie du bulbe. J'essaye de récup, c'est pas facile. Là, il va y avoir personne. Non, ne la décroche pas. Il doit pas y avoir de crochet, certainement, en bas. Donc, elle doit monter à la surface. Descendre à la surface, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Non, ne fais pas ça. N'est pas la décrocher tout de suite. Oh non, petit focus des familles. C'est pas très très jojo. Oh, oh, je fais un gros vomi passer par-dessus le rocher. Vas-y, vas-y, vas-y. Yes, yes, yes. Au revoir. C'est bien parce qu'elle a blessé, elle a réussi à blesser que la personne qui était une nouvelle personne et non pas celle qui venait de décrocher. Là, il faut que j'utilise la fontaine. Vous allez voir, je vais être soigné et je vais perdre la maladie. Par contre, la fontaine va devenir rouge. Ok. Là, ça craint. Ça craint pour à peu près tout le monde. Donc elle va se nourrir de la malédiction de la fontaine et ça va faire une sorte de coup de guitare. Voilà. Là ça craint. Là ça craint. On va avoir le temps de réparer deux moteurs. J'ai un doute de niveau Omega. Merci Volian pour Hydro Synthétique. Salut. Bon matin tout le monde. C'est à toi Volian. Merci beaucoup pour Hydro Synthétique et ton soutien à la chaîne. Merci beaucoup de type beaucoup. Merci beaucoup. Fog Whisper. Non, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu le truc. Donc là, ah, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Ok. Là, ça craint. On va avoir l'occasion de finalement réparer ça. Je cherche la trappe. Je vais pas commettre la bêtise de finir de réparer le moteur, qui était déjà très avancé et quasiment fini. Si j'avais fait ça, j'aurais donné ma localisation, mon positionnement. Okay. Et là, en ne le faisant pas, elle peut croire que je vais plutôt guetter par là-bas. Je vais plutôt chercher la trappe. Je dois imaginer que je suis pas loin. La trappe peut être ici, hein. Ça, c'est la nouvelle map. Petit détail évidemment que vous avez pu deviner. Petit stress des familles. Sachant que j'ai une compétence qui est censée m'aider à me dégager du crochet.
que j'ai activé. Sauf que comme je suis le dernier qui peut être accroché. Oh mon dieu, oui. Et surtout très important. Abonne-toi. Yes. Oh mon dieu. Oh la tension à son paroxysme.